Et bienvenue sur ma chaîne Twitch. Du coup, nous allons commencer le live sur Bayonetta 3. Nous allons continuer le playthrough, l'aventure de Bayonetta. Du coup, ouais. Est-ce que là il y a le son au moins? Non, là j'ai pas le son. Ok. Ah si, y a du son. Je dis des bêtises, pardon. Voilà, détente et nous allons continuer l'aventure. Nous sommes à Tokyo, à Shibuya, bien entendu. Allez, go, on y va. HQ 接敵した距離50対象は北東に向かって移動中遅れこちら本部了解した作戦を開始せよ了解打撃用意撃て対戦車砲用意撃て HQ 対象は無傷効果は見られない理解し、効果は見られない。度が過ぎるんじゃないかしら。いいわ、私が止めてあげる。
てくれた。J'ai pas compris la gameplay là avec Bayonetta quand elle est petite. Faut m'expliquer en fait. J'ai pas compris. De vrai, j'ai pas bien compris. Je pense qu'il faut que j'aille. Déroule ou remonte le fil du temps pour modifier les environs. Arrête-le au bon moment pour dévoiler de nouveaux passages. Attention, la salle temporelle ne dure que quelques instants. On y contrôle une version plus jeune de Bayonetta. Ok, donc du coup. さあ、あなたの本当の姿を見せてちょうだい。
C'est de piger un peu à quoi ça sert, mais... Moi, j'ai pas tout compris. Là aussi. Je suis pas trop dans le game là. De quoi? J'ai pas compris. Plus d'infos. On dit de ces joyaux à la montée glaçante qui sont le sang cristallisé de la sorcière de l'Ombra, persécutée. Ok. Pour chacun d'humains, ne sont les a priori, ils sont gardés par des familles de l'Ombra, chats noirs, corbeaux, crapauds. Chaque chapitre habite un familier de chaque espèce, on dit qu'ils sont. On dit que tous les trous élevés ouvrent un nouveau chemin. Ok. Grosso modo, si tu trouves tous ces familiers, en gros, bah, t'arriveras à trouver un chemin. En fait.
俺と奴らの区別もつかんとは、ずいぶんさっきだった。至って冷静よ。それは結構だ。今回の騒ぎじゃ天界の奴らの輪っかは稼げそうにないが、混沌が生み出すこの宝玉、これはこれで面白い。もしかして商売の話かしら。ふん、察しがいいな。ゲイツ・オブ・ヘルへようこそ。今回はこいつでお望みのものを都合してやるぜ。もちろん兵糧の持ち込みも大歓迎。特別な物を融通してやろう。Toi, tu peux acheter des objets. Et si cette herbale verte, ça te permet de regagner un petit peu de quantité de santé. Du coup, ok. Sucette méga sucette. Importante. ちょっと待ちな。こいつを渡すのを忘れてたぜ。デーモンスレーブを使いこなすお前ならこいつを扱えるはずだ。可愛がってやってくれよ。
さあ取引を始めよう。Comment on fait pour les armes là? J'ai pas bien compris au niveau des armes comment on faisait pour l'utiliser. Ça en fait c'est ce qui s'amonnait dans le jeu, hein, maintenant on le sait. J'ai pas compris là. C'est quoi déjà? En gros, t'as un vœu que les papillons. Là. Temps limité. Voilà. Thank you.
pas comprendre. Attends. J'ai pas compris en fait. J'ai rien compris du tout. Donc là ils disent quoi? Ok, ouais. Ils subissent des dégâts à ma place, ok, mais. Ok, donc faut juste. C'est la victoire en fait, si j'ai bien compris. Ça. Genre ça s'est TP cher loin ça en fait. Ça t'envoie plutôt. Yeah, Jeanne. Ouais, je suis tombé. Oh, c'est bon. J'ai fait le défi. C'est ok.
立ち止まっていても仕方ないわね。Alors, poursuit l'aventure de Bayonetta. Oi! Itara, hendi shite kure! La grenouille, mais j'ai pas trouvé le chat ni le corbeau. Let's go.
des attaques sadiques. Carte des chapitres, écran de titre, mode photo, option. Le courrier de réseau d'Arachne. Gagner un tout petit peu plus de vie. Bon, donc lui, il développe des trucs. ご機嫌を損ねちゃうね。それじゃあ私が優しく遊んであげるわ。
Allez go. Faut aller dans le magasin, faut appuyer ici. Gates of Hell へようこそ。もうお化粧が崩れてきちゃったじゃない。ジャンヌ、筋肉以外にもちゃんと中身は詰まってるの？お前だな、虫けら、踏み潰してやる。
その態度を許す。やはり主と同じものを感じる。よかろう。ここで会ったのも多少の礼儀。しかしとも、ゲーム。立ち止まっていても仕方ないわね。配下が支払えない。
りすぎよ。立ち止まっていても仕方ないわね。
髪が痛みそうだけど、ここを進むしかなさそうね。あのタンクの水が使えそうね。でも私が行くのはごめんだわ。立ち止まっていても仕方ないわね。Yes, on avance tout doucement. Il y a de la mana. Remporter le combat, temps limité. Du coup là on a un accessoire à looter. Les ennemis, il y a une vague. Il y a 3 ennemis, plus 1 et plus 1. Ok. Bon, grosse partie. Je sais pas ce qu'il faut faire là, le défi, je sais pas ce que c'est. Dégâts d'envoûtement uniquement, j'ai pas compris ça. Bye.
4 en mouvement uniquement. Là j'ai pas compris du tout. Est-ce que ça veut dire dégâts d'enflement? Aucune attaque sadique? Ouais, ok. Plus de détails.
débloquer tout ça. Les envoûtements, c'est ici. L'envoûtement est une technique défensive de l'Ombra qui augmente la vitesse et lui donne l'illusion d'un monde au ralenti. ZR, non RZ, ZR, c'est ça, hein, ZR, ouais, donc c'est celle-là. Bah, maintenant qu'on sait ce que c'est que l'envoûtement, on va pouvoir aller se faire ça. On devrait pouvoir y arriver. Mais 10 dégâts, attends.
Fait notre troisième défi et on l'a réussi, on l'a réussi. Donc voilà, on va pouvoir arrêter le stream aujourd'hui. Pour aujourd'hui, on aura bien avancé encore dans Bayonetta, on aura bien avancé, ouais ça va, ouais. On aura surtout compris un petit peu le gameplay vite et là, c'est ça, hein, c'est parti, c'est, tu fais, t'appuies sur toutes les touches et là j'ai récupéré mon quatrième cœur. Du coup j'ai plus de vie, non? Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas. J'en sais rien. J'en sais rien du tout. Ouais, on va arrêter le live là sur Bayonetta là maintenant. On va passer sur Nightmare Creature d'ici quelques instants. Voilà. Surtout restez bien connectés, restez en live. Et on se retrouve dans quelques minutes sur Nightmare Creature. Merci encore, n'hésitez pas à follow sur la chaîne si le contenu vous intéresse. Et n'hésitez pas à aller voir ma chaîne YouTube où il y a toutes les rediffusions et tout le contenu qu'il y a sur Twitch. Merci encore et passez. Merci. Ciao. Peace. Merci encore, salut, salut les amis, ciao, peace.